Salut les amis! Coucou les amis! Alors là, il y a beaucoup de lumière. On a accès pour la fenêtre? Non. Non, on n'a pas accès là parce qu'il y a le piano. Il y a le piano. Bon. Eh bien, écoutez, je verrai au montage ce que je fais. Bon. Vous aurez la surprise si c'est moins clair ou pas. Il va pour la cuisine, ça ne change pas grand chose. A-A-O-A-I. Non, ça ne change rien. Bon. C'est pas grave. On est éliminé aujourd'hui. Oh voilà, on est éliminé. Donc on a fait les courses à Leclerc. Oui, vous avez un changement de cadre parce que la table n'est plus dans la cuisine. Parce qu'on trouvait que ça faisait trop exigu dans la cuisine. Et on sentait étouffé. Donc on l'a mis dans le salon. Étriqué. Voilà. Bon, on est un peu étriqué eux aussi. Ah, ouais. Oui, mais là on ne voit plus, j'ai l'escalier. Mais c'est bien. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est pas bête. Vas-y. Donc on va commencer tout de suite ce petit... Enfin, ce petit, ce gros retour de course, comme d'habitude. Mais on a respecté notre budget, on est à moins de 200 euros. Donc, c'est... Restez bien jusqu'à la fin, du coup, parce que vous allez comprendre combien ça fait. Voilà. Donc, vas-y. Alors, on commence par les EcoPlus pour les 60 carrés coton bébé. Ils sont simplement bien. Donc, voilà. C'est cool. Ils ne peluchent pas. Voilà. Là, nous avons des EcoPlus en papier toilette. Ils sont très bien aussi. Franchement. Donc, pour s'essuyer les fesses, c'est voilà. Pas mieux. Hein. EcoPlus, essuie tout. Ça part à la poubelle aussi. Donc, pour les œufs, on en a pris 3 boîtes. 3 boîtes de 10 parce que, comme vous le savez, Chéri se fait ses mayonnaises maison et on fait aussi pas mal de pâtisseries. Donc 30 œufs, ça part vite. Donc on en a pris 3 et on prend les moins chers. Vu la quantité d'œufs qu'il nous faut, on va pas au plus cher. Et puis vu le budget. Voilà. Là, on a 2 pizzas jambon fromage. Alors oui, ça coûte moins cher de les faire soi-même, mais il y a des moments où on ne peut pas faire soi-même. Mais ouais. Surtout en ce moment. Là, j'ai repris des petits biscuits à la cuillère pour Lucas parce qu'il les aime beaucoup. Ce que je fais pour ne pas lui donner en entier parce que j'ai peur qu'il sait tout parce qu'il faut savoir qu'un petit bébé, même à son âge à lui, la trachée ne fait que 1 cm. Donc je lui coupe un tout petit morceau, il se régale. Ouais, franchement, c'est bon. Ah ouais, ça lui plaît. Hein. En plus, on lui fait des purées maison maintenant. Il aime beaucoup ça aussi. Là, c'est pour Julia. Julia a voulu des céréales boules de miel pour le matin. Donc on lui a pris des boules de miel pour le matin. Ah, avec des... Ouais. Des boules de miel. Là, j'ai pris multifruits, j'ai pris celui-là. Alors, j'ai eu plusieurs tours de course où plusieurs l'ont pris. Ils ont dit que la recette avait changé et qu'il était meilleur qu'avant parce qu'ils avaient rajouté de la mandarine. Du coup, il serait moins acide. Donc, je l'ai pris. Les filles vont le tester. Si elles aiment, tant mieux parce qu'il est presque à 1 euro de moins que celui que je prends d'habitude. Donc, c'est à voir. Après, si elles n'aiment pas, ben, je reprendrai celui qu'elles aiment à la base. Mais ça va être un test. Bon. Bon. Et on a repris les 2 packs de lait. On n'a pas repris du lait pour Lucas parce que pour le temps que ça s'écoule. Surtout qu'on n'a pas commencé. Voilà, on n'a pas encore commencé. Parce qu'on finit d'abord. Vas-y. Mets-le sur la table. Là, nous avons combien? Il y a 4 paquets. 4 paquets de 2 demi-baguettes. Ça, c'est pour le soir. Voilà, ça fait. Pomme lisse, ça c'est de Marc Repère, c'est de la purée, elle est plutôt pas mal, donc, ça va quoi. Parce qu'on avait testé là, on l'a pris plusieurs fois, et le goût ne nous convenait pas. En même temps pour de la purée, on ne s'attend pas non plus, on va voir si c'est... Hein, voilà. Je crois que la meilleure c'est la mousseline. Non, la meilleure c'est celle que tu fais maison. Oui aussi. Alors là nous avons pris du x3, donc en petit sachet comme ça, de l'emmental en... Les croiser. Ben, je trouve que c'est mieux un petit sachet comme ça parce qu'au moins, c'est qu'on a un nouveau œil et qu'il reste ouvert pendant un moment. C'est ça. De la pâte feuilletée. Ils en avaient remis. EcoPlus. Donc là, j'ai pris 2 pleines demi, mais j'ai pris du grand format parce que pour les tartines, parce qu'on fait des sandwichs et on fait aussi pour le porte monsieur. Donc c'est mieux les tartines comme ça, elles sont plus larges. Alors là, pour la piémontaise, j'ai trouvé ça. J'en ai jamais vu, en tout cas, ce cœur-là, peut-être que je suis dans le vôtre, peut-être. Mais c'est des pommes de terre Lunor, mais en cube. Déjà, toutes découpées, mais coupées fines, et pour la salade, ça va être bien. Donc en fait, ouais, pour la salade, c'est Ou là, le beurre, il faut aller vite le mettre au... Donc j'en ai pris 2.
Donc là, on a du beurre qui a pris chez... Encore, hein, d'ailleurs, c'est ouais. Bon fleuri. Celui-là, toujours. Hein. Ouais. Ensuite, on a pris deux lait d'âne. J'en ai pris deux paquets. Ça va être pour les croque-monsieur. Et ça va être pour les sandwichs. Parce que, ouais, parce que alors, on l'a testé. Alors, l'autre jour, j'ai réalisé de faire les sandwichs, de les faire un peu toastés. Et ça, bon, et, voilà, et ça donnait un peu comme le croque-monsieur. Et on s'est régalé. Alors, pour le beurre Montfleury, je pense que c'est pour ça que mes cookies ont raté complet. Ben oui, mais parce qu'il n'est pas 100% beurre. Ah bon ? Le Montfleury, il me semble. Donc, il faut faire vraiment avec le beurre normal. D'accord. Donc là, j'ai repris de la bédine du matin pour le petit chaud. Nous avons repris le taboulé, on l'a goûté hier, il était super bon. Non, pas hier, il y a deux jours. Non, c'est hier. C'est lundi. Ouais, lundi, ouais. Pardon. Le deuxième paquet de pain de mie. Ouais, alors là, nous avons pris le stock. Je ne savais même pas pour vous commencer. Pour les comptes, vas-y, je vais vous faire un peu. Donc là, on a des petits brioquettes, ça va être pour les goûters de la maison. Parce que pour changer, je ne vais pas toujours prendre les mêmes choses. Je n'ai pas envie de goûter pour l'école parce que j'en ai assez. Ben, juste que pour la maison, si on ne fait pas de pâtisserie. Toi, tu as eu peur qu'on en manque. Non, j'ai pris ce qui manquait qu'on pensait avoir pris la semaine dernière. Donc effectivement, la semaine dernière, on a oublié les blancs poulets. Mais du coup, on les a rattrapés. Hein. Donc du coup, blancs poulets éco plus, comme ça. Il y en a combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, j'en ai pris autant parce que normalement, je prends les marques repères par 6. Mais là, il n'y était pas. Il n'y avait quasiment plus de marques repères. Parce qu'en fait, en Corse, actuellement, il y a un gros problème de rupture parce qu'il y a une grève sur le port de Marseille, des dockers. Donc, les camions qui, normalement, livrent, ne livrent pas. Et là... Apparemment, ce matin, ils ont pas pu livrer non plus. Et c'est comme ça depuis la semaine dernière. Donc, bon, celle-là, on la représente plus. Hein. Sa petite la Piémontaise. Tu veux une fourchette? Ouais, elle est beaucoup. Donc là, là, j'ai repris de la brioche tranchée en tranche. Ça, c'est pour s'il nous manque des goûters. Alors là, tranche fine à l'italienne de Fradilège. Lui, il est super bon. C'est lui qu'on a mis dans le sandwich. Oui, c'est lui qu'on a mis dans le sandwich. Il était bon. Donc, ben, on change pas une équipe qui gagne, hein, on le reprend. Il est excellent. Ah, ben, c'est pas trop tôt. Alors là, moi, je me suis repris. Ça, j'ai pris pour moi, c'est bizarre, ça me va. Parce que je vais me faire, je me suis pris des petites tartines, je vous montrerai. Le matin, j'ai repris de la confiture, mais je vais faire plaisir. Oui, il n'y a plus que moi qui la mange. Celle de Lucien Georgelin, fraise sans sucre ajouté et sans aucun édulcorant ni conservateur. Elle est super bonne. On l'avait déjà goûtée, tu te rappelles? Oui. On l'avait goûtée. Bon appétit. Elle est vraiment super bonne. Bon appétit, mon chéri. Haricots verts, j'en ai pris deux boîtes. Et ce déco plus, alors honnêtement, vous pouvez les manger. Ils sont bons. Mais nous, on les aime. On trouve qu'ils sont trop filandreux. Ils sont vraiment trop filandreux pour nous. Après, on a chacun ses goûts. On a tous un palais différent. Là, j'ai repris du blé dîner pour le petit. Hein? Dedans, il y a multicéréales, légumes du soleil. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, il y a deuxième Montfleury, il va aller offrir. Farine de seigle, tomate en poudre, poivron rouge et courgette en poudre. Eh oui. C'est de la vitamine B1. Et mes grands objets. Le cacao pour le matin. Et j'ai repris de la compote comme ça. Allégé en sucre plutôt que... Ah là, j'ai pomme porc. Je croyais que c'était que pomme. Pour Lucas, plutôt que de donner dans... Parce que là, je sais qu'il m'en reste pas mal. Mais plutôt que de prendre à chaque fois le truc, je mets dans une petite poubelle la quantité qu'il lui faut. Et ça revient en réalité moins cher. Et elle est bonne. Du rôti de porc froid, donc en charcuterie qualité supérieure. Tradilège de Maxi Format en 8. 8 ans. Nous avons pris les allumettes de jambon. Ça, c'est pour la piémontaise, j'imagine. Et oui. Alors, en fait, on fait un mix. En fait, on met des miettes de thon plus le jus de jambon. Là, j'ai fait des yaourts comme ça pour les filles. Elles voulaient des yaourts aux fruits. Donc, c'est là que je les avais déjà pris une fois. Elles avaient trouvé bon. Donc, j'ai repris. On va voir si elles les aiment toujours. Dans nos sacs, il y a aussi. Ah, dedans, tu as mis aussi ? Oui. Des raviolis au bœuf, à la bolognaise, pardon.
Oui, elles sont bonnes celles-là. Et on n'a pas repris de sauce. Tu avais dit qu'elles étaient bonnes. Je dis pas qu'elles sont mauvaises. Je dis que les meilleures raviolis, c'est celles de mon grand-père. Là, nous avons des aiguillettes de poulet à déguster chaud ou froid. Tradilège. Alors, à Nuggets, il n'y avait plus comme je voulais et je voulais pas les Ecofus parce que je trouve qu'ils ont pas les gros. Quand je vous dis que les palais ça diffère, c'est que ça diffère vraiment. Alors, j'ai pris des petits cordons bleus au poulet sans colorant et sans arôme artificiel. Il y en a deux dans chaque. C'est des oursons en fait, qui sont dessinés. Ouais, c'est un petit ourson, mais sauf pour nous. Nous, ils sont simples. Et j'ai pris pour les enfants un petit ourson, j'ai pris trois paquets parce que je vais en donner un petit peu à Lucas aussi. On va lui couper un tout petit morceau, voir peut-être un petit peu lui mixer pour qu'il goûte. Du coup, j'ai pris, voilà, on commence à prendre pour aussi. Du fromage à tartiner Eco Plus style vache qui rit. Oui, ça, c'est pour les filles. Il est très bon, hein. Moi, je trouve très bon. Moi. Des demi-baguettes. Encore une. Hein. On n'a pas fini avec la charcuterie. Hein. Du blanc de dinde. Là, j'ai 10 jambons. 4, 6. Donc, 6 blancs de dinde, tranche par 4, Eco Plus. Encore les baguettes. Des miettes de thon. Elles sont bonnes, hein. Franchement, elles sont très bonnes. Bon, après, il y a de l'huile d'olive et de tournesol et du thon. Donc, franchement. Non, mais elles sont très bonnes pour des Eco Plus. Voilà, des croissants. Là, on a la crème pour diverses choses. Du saucisson sec, ça c'est pour le vendredi. Ça c'est pour les apéros du vendredi. Ah ben la pâte feuilletée aussi et les saucisses, je ne sais pas si on les a présentées ou pas. Non, elles sont là. Et les saucisses, ça c'est pour notre apéro du vendredi. On se fait un petit apéro dînatoire et on se regarde un petit film. Ah, il y a encore des miettes de thon. Miettes de thon. Voilà. Là, j'en ai. Oh, pardon. Là, j'en ai plus qu'une, là, ça va être pour nous trois. Donc, on en donnera un petit peu à Lucas parce qu'il il découvre pas mal de choses en ce moment. Donc, là, j'en ai pris qu'une. Je pense que ça sera bon. Parce qu'on n'en mange pas, nous, énormément. Là, on a repris donc, du chocolat blanc de tablette d'or de Marc Propère. Et du Bio Village chocolat au lait. Ça, c'est pour en fait les faire fondre et mettre sûrement dans les cookies. Vous voyez. Et ça va être pour les cookies et pour un brownie. Je pense. Ça c'est pour toi. Oui, bah ça c'est un câble jack en fait. Enfin, pas un câble, c'est un adaptateur pour le piano. Et il va falloir que je le répare d'ailleurs. Là, on a le deuxième paquet des dames. Pas des messieurs ? Hein ? Non, pas des messieurs. Là, j'ai pris deux paquets comme ça. Ça, à la base, j'ai pris pour moi. Mais j'en ai pris un deuxième. Parce que monsieur aime bien prendre aussi. J'en ai pas pris. Non. Non, je l'ai pas pris. Non. Non. Absolument pas. Non, j'en ai pas pris. Tu me l'as dit hier. Je t'ai pris. J'ai voulu te le prendre, mais d'ailleurs, je l'ai pas mangé. De tes petits gâteaux. Eh ben, j'en ai pris en plus. Pourquoi ? Là, on a. Je vais pas venir. Le pain au chocolat. Puisque Océane, elle veut rester sur les pains au chocolat et croissants le matin. Cette chose. Ouais, très controversé. Je vais quand même la boire. Non. Si. Non, si tu fais une réaction, non. Alors, je me suis trompé, mais grave, gravement. Si tu fais une réaction et j'ai pas ce qu'il faut à la maison pour te. Donc là, c'est écrit au soja, avec des fèves de soja, des petits pois. Ah, mais regarde, ils ont enlevé le. Mais quand j'ai goûté. Pas mal de temps. Mais quand j'ai goûté, ben, j'ai eu l'impression d'avoir le goût de la noix, du cerneau de noix. C'est pas une impression, je l'ai eu moi aussi. On avait goûté derrière et on sent vraiment un goût de noix. Ceci étant, je n'ai pas réagi. Ça fait une drôle de tête. Oui, une drôle de tête parce que pour moi, je suis allergique. Là, on a trois tomates. Ah, le surgelé. Je vais aller chercher le surgelé. Je vais nous présenter ça et je vous présente le surgelé parce que je l'ai mis au congélateur. Donc devant vous, je fais le test suprême. Le test ultime. Alors là, on a des bananes. On a 82 bananes en tout parce que les filles m'ont dit qu'elles ne voulaient pas de pommes. Bon, en plus, ça tombait bien parce qu'il ne restait pas du tout 40 choses en pommes. Elles étaient tous par 4 à 3 euros. Donc franchement, ça aurait trop chiffré. Alors la marque, par contre, de celui-là, c'est Alpro.
Donc, c'est l'abréviation de protéines d'amande, almond protein. Et encore, ça l'a étonné parce que qu'ils n'aient pas fait, qu'ils n'aient pas coupé. Alors oui, quand tu jetais à Leclerc. Ah, c'est Leclerc là. Non, en fait, à tous les Leclerc. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les bananes pourries comme ça. Enfin, pourries. Invendables pour eux, en tout cas. Et ils arrachaient la truc de la botte et ils les mettaient dans les sachets zéro gaspille. Bah, ils ne le font plus. Voilà, c'est les autres bananes. Là, moi, c'est ça que je vais me faire avec. Regarde, c'est ça que je mange du magibruit. Que je vais faire avec la confiture le matin. Je vais me faire une tartine comme ça. Je sais plus comment manger le matin, c'est une catastrophe. Mangez-moi. Ça, c'est oula. Pour. La mal au bidou. Ah. Un ultra levure, c'est la mal au bidou. Ah. Là, on a du. Comment on a aromatisé. Ça va. Ah oh, putain, j'ai trempé ce truc. Oh. Et du fromage blanc. Ah oh. Ça va? Depuis que j'ai vu le truc. Ah oh, oui. Je te l'ai dit de pas. Tu peux écouter un peu ta petite femme. Mon nono. Ah oh. Oh. Je vais aller chercher le surgelé. Ah ouais. Ouh, j'ai chaud. Ben voilà, c'était un test. Ben voilà, et du coup, fini le test. Ça commence à me gratter par contre. Bon, j'ai pas l'impression de gonfler, mais ça gratte de partout. Alors. Et j'ai une douleur au ventre monumentale. Thierry, c'est pris ça? Ah oui, j'avais oublié. Des Vickers. C'est italien, le père. Machotis triangle. Apparemment, c'est au fromage. C'est des machos. Tu veux les faire pour vendredi? Non, pour maintenant. Okay. On a repris des trucs aux noisettes. Sans noisettes, je crois. Je retrouvais des champignons de Paris comme ça. La semaine dernière, il n'y en avait pas. Donc, c'était pas cool. Il n'y en avait plus en rayon légumes frais non plus. Et j'ai repris ça. Bretagne. Oh là là, tu mets. Ça gratte de partout. Donc les amis, pour ce retour de course, on avait pour 191 €. Et il a failli mal finir. Et on a respecté le budget. Et budget respecté. De très peu. Hein. Ouais, mais on a respecté le budget. Donc. On n'a pas fait d'essence. Donc, Il n'y avait pas besoin. Non mais si on avait fait d'essence, on n'aurait pas respecté le budget. Donc. Alors, pour ce qui est des magazines, j'ai une petite astuce. Pour ceux que ça intéresse. Mais on prend une vidéo sur ça, là on est sur les courses. Ben justement, ça fait partie des courses, parce que quand vous allez faire les courses, vous allez sûrement acheter des magazines. Et j'ai une petite astuce où vous pouvez récupérer tous les magazines que vous voulez, même de 2022, 23, 24, tous, sans exception, sur un site. Alors je vous mettrai un lien dans la description, pour ceux que ça intéresse. Il y a juste une petite chose, c'est que vous pouvez télécharger un magazine toutes les demi-heures. Ça va. Mais c'est gratuit. Ça va, voilà. Donc ça va. Parce que des fois, ben moi par exemple, j'ai des magazines qui coûtent assez cher, d'autres pas trop, et puis le magazine d'Océane par contre, il coûte une blinde. Et du coup, on a téléchargé la version de ce mois-ci. Il faut quand même qu'on les imprime d'ailleurs. Il faut qu'on les imprime, ou alors on peut les regarder sur ordinateur aussi, c'est pareil. Donc, du coup, et là, vous avez vu dans le short qu'on vous a fait hier? Que Doudou vous a fait hier, parce que c'est lui principalement qui a parlé. C'est une expérience qu'on fait parce que en même temps, on en a besoin pour notre couple. Voilà, on a décidé de faire ce petit jeu. Et qui a failli quand même un peu mal tourner, on va dire. Donc voilà. Il faut bien être conscient des choses. C'est pas quelque chose que je recommande en fait de faire à tout le monde. Mais plus. Nous, on le fait dans le but que. Loulou voit ce que je fais moi au quotidien, déjà à la base, et pour que moi je me rende compte de comment je suis avec lui, la façon dont je lui parle. Et en une petite journée, voilà. Même pas, elle a compris déjà, je pense. Oui. Oui. Voilà. Donc c'est le but, et le but aussi c'est qu'on arrive à se retrouver vraiment en tant que couple, et pas que en tant que parent, parce que c'est le problème, je sais, de beaucoup de couples, qu'une fois qu'il y a des enfants, on s'ancre dans le rôle de parent, et plus autant dans le couple. C'est ça. Et là, nous, il faut vraiment qu'on arrive à se retrouver au niveau du couple.
Voilà. Parce que le rôle de parent, ça, on y est dedans. On est dedans depuis maintenant 8 ans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui forcément nous font oublier certaines fois. Qu'on est un couple avant d'être des parents. C'est ça. Mais aussi, on est avant tout hommes et femmes. Et voilà. Du coup. C'est ça. Ça gratte de partout. Je suis en train de péter les plombs. Et j'ai pas un antihistaminique. Ça, je t'ai Ben, c'était une expérience que j'ai. Oh, ben, putain. Autant ça m'avait rien fait quand j'ai bu la petite gorgée. Ouais, t'avais bu une petite gorgée. Et là, je suis en train de péter les plombs. Il va être tout rouge. Du coup, il va me faire chérie, j'ai des plaques partout, je suis tout rouge. Mais de partout, ça me craint. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais. J'ai regardé, tu as envie de faire quoi. Mais avec moi seul. Pas devant la caméra. C'est sûr. Donc, les amis, on vous fait de gros bisous et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.